Wesh, ça vaut quoi? Ici Raidi, une fois de plus, pour une nouvelle vidéo. On va regarder l'attaque des titans. Parce que oui, Ndiablo, un youtubeur, m'a dit: il faut que tu regardes l'attaque des titans. La prochaine saison arrive bientôt. Après tout, là, avec tout ce que je dois regarder, je me dis, pourquoi pas rajouter un problème en plus? Est-ce que c'est cool comme animé? Je sais pas. Est-ce que le premier épisode, il va me donner l'envie de voir la suite? C'est ça la question. Bah, je sais pas. Du coup, on va y répondre. Maintenant, aujourd'hui, de suite. J'avoue, si c'est kiffant, je ferai des reviews sur les mangas. Mais bon, ça, on n'est pas encore à ce statut, je tiens à préciser. Mon cousin, il va être content. Il arrête pas de me dire de regarder ça. Wesh, il y a une intrusion là directement. Ah, une fois de plus, c'est pas en français, évidemment. Ah, c'est ça les géants. Wesh, ça c'est un titan. C'est un mec sans chair en fait, enfin sans peau. Ouais, j'ai un choc émotionnel pour la musique par contre. Ah, il a la, on dirait la cape de Zelda. Révélation, j'ai jamais joué à Zelda non plus. En plus, c'est Link, ce que je voulais dire. La même cape que Link. Wesh! Ouah, c'est stylé ce bail. C'est stylé que si tu sais t'en servir. Ah, mais je connais cette musique. J'ai déjà entendu. Je crois que c'est mon cousin. Il arrêtait pas d'en parler à un moment donné. Ah, c'est glauque. Hein. Il faut écouter sa grande sœur, hein. Ou ta maman, je sais pas c'est qui, mais écoute-la frère. Ça me pensait un peu à The Walking Dead quand il était dans la prison. Oh, Eren, c'est lui le perso principal du coup, j'imagine. C'est pas une honte de pleurer en vérité, hein. Moi je pleure hein, des fois. Waouh, 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 waouh. Ça te réveille frère, il a coupé la tête d'un poisson normal. Il a raison. Prenez des conseils de ce mec. Lui, ça se voit, il a envie de lui péter la gueule. Même moi, j'aurais envie de le niquer, ce bolos. C'est comme la prison, frère, c'est ça? Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Ça c'est pas dire qu'il est capable de rien. Il est capable de tout. Il peut faire des choses énormes ce mec, faut le savoir. Wouah, je savais. Eux ça y est, c'est officiel, c'est les héros. Eux c'est les gens qui volent dans les airs et qui tuent des trucs. Moses no hahaoya da. Motte koi. Oh non, la pauvre miskine. Ça me fait de la peine. Je le bras par contre. Putain, y a plus rien de, du corps. Il était broyé genre. Ah ouais, non mais ça, ça... ça traumatise. Même s'il a pas été utile, faut lui mentir. J'ai des frissons. Il ment. Il ment comme il respire. C'est le petit, il l'a fait prendre. Ah, je savais. Arrête. Mikasa, ok. Ah ouais. Elle sait se battre, hein. Beaucoup trop. Il veut casser des gueules. Il est curieux en vérité, comme moi. Oh, là là, il y a un truc de ouf. Il y a quoi en dessous? C'est quoi la pièce secrète? Là, ils ont teasé le truc. T'as envie de savoir, c'est sûr. Vas-y, wesh. Arrête de traqueter des enfants pour des bonbons, frère. Oh là là. Oui, il va les goumer. Ils ont peur de sa sœur, mais pas de lui. Sa sœur est vraiment puissante à ce point. Mais elle a quoi, Mikasa? Pourquoi ils se sont barrés, wesh? Oh, le Del. Y'a un géant qui vient, c'est bon, y'a un titan qui arrive là. C'est les mecs sans chair qu'on a vu. De la fumée rouge. Oh putain de merde, c'est le gant. Le gant, la main. Wesh. Ah, il me fait de l'ombre lui. Wesh, il a pas de vêtements. Il est à poil. Il va casser le mur. What? Il a cassé le mur, wesh. Pourquoi il fait ça lui aussi? Il gagne quoi à faire ça? C'est ça la question maintenant. Et c'est qui les mecs à poil? C'est des géants ceux aussi? Parce que lui c'est un titan suprême. Ouh.
Faut aller sauver ta famille, mon petit ref. La vie, j'ai des frissons, ça. Non, sa maman va mourir. Non, pas sa mère. Non. Regarde, ils ont le sourire en plus. Ça se voit, ils aiment bien défoncer le game. Vas-y, mon ref, tu peux sauver ta mère. Non. Wesh, non. La vie, j'ai dit comme ça, moi, je pense que ça chiale un peu. Non, non, mais non. Moi, je pleure vraiment, en fait. La vie, j'ai pleuré vraiment. Y'a quoi? C'est qui? C'est son ex, c'est ça? Pourquoi il fait rien, wesh? Il a dit qu'il voulait le... Mais non! Non! Oh putain, ça y est. Ah, les larmes montent. Pourtant, j'ai pas pleuré devant un truc comme ça, moi. Je n'étais pas prêt. Non! Il va la manger. Il va grailler sa mère. Mais non! Mais non! Non. Wouah, c'est des ouf. J'ai pas pleuré, hein, c'est... Pas du tout. C'est lourd, hein, moi, je vais voir la suite, du coup. Je suis sûr, le petit, là, il va se venger. Il va devenir tueur de titans. Et je suis sûr, là, à la fin, il va retrouver la meuf qui a bouffé sa mère. Et il va lui découper la tête. Juste par vengeance, tu vois. En tout cas, c'était Raidi, hein. N'hésitez surtout pas à liker, à partager et à activer la Dream Ring. Parce qu'il y aura plus de vidéos, surtout, maintenant. Enfin, surtout plus, que je raconte. Il m'a trop ému, cette manga, là. Vas-y, là. Bon, allez, moi, je vous laisse. C'était Raidi. Kiss. Oh, c'était émouvant, ils sont les mouchoirs.